Garder un tir, non pas en extrémité, vous êtes tiré en 8 ou 9e, donc avant la fin, c'est parce que vous étiez entraîné, vous étiez prêt à... Bah, on a beaucoup bossé les séances de tir au but là depuis 2-3 jours à l'entraînement. Je savais que si je devais y aller, il fallait que je sois prêt. J'avais raté en plus mon premier pénalty à l'entraînement. Mais quand je vois Gabas qui tire, on se regarde pas mal dans les yeux. Je vois qu'il a un peu de nervosité dans son regard. Du coup, j'essaie de le sortir du contexte et il la met au-dessus. Et une fois que je pose le ballon, j'essaie de rester le plus calme possible et penser à mon dernier pénalty que j'ai tiré à l'entraînement, pardon. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé, c'est cool. Et évidemment, il y a la suite. Comment on envisage la suite quand on vit un moment aussi fort? Bah, on était venu là, nous, avec nos certitudes. On travaille bien là depuis un an et demi avec le nouveau sélectionneur. On sait qu'on vient de très loin. On avait à cœur de passer les poules et c'est ce qui a été fait. Et maintenant, on prend match après match. Mais on sait qu'on peut embêter pas mal d'équipes. Aujourd'hui, c'était l'Égypte, une grande nation du foot. Mais on montre que nous aussi, on est de retour parmi les équipes africaines. Et on voulait montrer au peuple congolais qu'on était là, quoi. Bravo encore, hein. Merci. Bravo.